J'ai développé la première sursemelle de protection pour les points d'athlétisme et aujourd'hui notre ambition c'est de devenir la référence de la protection pour chaussures. Du coup, je m'appelle Coralie Gassama, j'ai 26 ans et je suis chef d'entreprise, notamment de la start-up que j'ai créée, Kayena. Donc on développe des innovations et qui permettent aux athlètes et aux sportifs de façon générale de se déplacer confortablement, sans risque et sans abîmer leurs chaussures. Depuis que je suis très jeune, j'ai toujours eu un double parcours où j'ai toujours eu le sport en parallèle de mes études, de ma scolarité, collège puis lycée général. À côté de ça, j'ai été très vite sportive de haut niveau, spécialiste du 400 mètres haies. J'ai eu la chance de participer à pas mal de compétitions internationales et du coup de gérer mes études en parallèle de mon sport. On va dire que ce que j'ai fait après mon master est né pendant mon master puisque du coup j'ai développé mon projet qui est aujourd'hui ma société pendant le master 1, pendant que j'étais en alternance et j'ai développé un premier produit, une innovation qui a fait ensuite l'objet de Kayena. La chose qui m'a permis de me lancer, c'est déjà ce cours d'entrepreneuriat en Master 1. On devait développer une idée, créer un business model. Au début, je le fais juste pour le cours. Et en fait, je me rends compte que mon idée, elle peut être intéressante parce que ça n'existe pas et que ça ferait vraiment l'objet d'une innovation. Je développe ce projet un petit peu à côté, par curiosité. Et en fait, au fur et à mesure, c'est devenu mon projet de vie. Je crée l'entreprise pendant que je suis encore en master, mais je veux dire que j'avais pas énormément de temps de travail, c'était beaucoup les ingénieurs qui travaillaient à ce moment-là. Et du coup, par contre, quand je sors du master, je rentre directement dans un incubateur de start-up qui est aussi sur le campus de Lyon 1, qui est Manufactory Ladoix. Et ça me permet de commencer à vraiment développer et à préparer le lancement de ma marque. Et ben aujourd'hui, ça fait 4 ans que Kayena existe, ça fait 3 ans vraiment qu'on a divulgué la marque et 2 ans que les produits existent chez les athlètes et un peu partout dans le monde. On a commercialisé un peu plus de 2400 paires dans plus de 23 pays et on est distribué sur différents canaux, notre site internet, on travaille aussi avec les associations et on revend dans les magasins et chez les pure players. Ce qui m'a plu dans ce master, c'est les différentes unités d'enseignement. Oui, on a fait du marketing, on a fait du marketing sportif. On a fait de la gestion RH, mais de la gestion RH dans une organisation sportive. Et au final, je trouve que cette filière m'a bien préparée parce qu'elle m'a permis de toucher à tout. Et je trouve que du coup, ça m'a permis en tout cas de voir de façon globale tous les aspects qui aujourd'hui sont mon quotidien. Je trouve que quand on met un pied dans l'entrepreneuriat et qu'on a une idée, notamment dans l'innovation pure, on a souvent d'autres qui viennent. Et j'ai déjà d'autres idées ou en tout cas, ça m'intéresserait de potentiellement développer d'autres choses.